commencer, installez-vous confortablement dans un endroit où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Installez-vous dans une position confortable, agréable. Autorisez votre corps à se relâcher. Prenez votre temps. Fermez les yeux et imaginez-vous sur une plage. Vous êtes assis dans le sable chaud et la brise marine vous rafraîchit le visage et tout le corps. Vous vous sentez en sécurité, vous êtes bien. Regardez les vagues qui vont et qui viennent encore et encore. Chaque vague qui va et qui vient est comme votre respiration. L'air qui entre est la respiration qui commence de l'intérieur de vous et puis qui se relâche vers la mer à chaque expiration. Observez la surface de la mer, de l'océan. Qu'est-ce que vous remarquez à la surface de l'océan? Observez que la surface de l'océan est comme votre vie. Certaines parties sont agitées. Il y a des courants qui peuvent être dangereux, effrayants. Il y a des vagues d'incertitude.
Respirez avec ces moments difficiles, parfois douloureux. Respirez en harmonie avec l'océan. Et rappelez-vous que vous avez suffisamment de force et de stabilité pour résister à la tempête, tout comme l'océan. Expirez toutes vos peurs et vos doutes. Expirez toutes les craintes que vous avez sur l'avenir, sur ce qui va arriver. Les vagues peuvent également mener avec elles vos secrets, votre anxiété, vers les profondeurs. À présent, observez ce qui se passe sous la surface de l'océan. Sous la surface, l'eau est calme, sereine, tranquille. C'est une expérience de contemplation, de douceur.
Des bancs de poissons vont et viennent. Les plantes, elles aussi se déplacent de droite à gauche, d'avant en arrière, comme si elles étaient emportées par un courant musical. Les étoiles de mer s'accrochent aux rochers et des rayons solaires percent la surface de l'eau et transmettent leur chaleur et leur lumière vers les profondeurs. Tout comme dans l'océan, votre vie va déterminer les mouvements que vous allez faire. Est-ce que vous allez surfer sur une vague gigantesque ou simplement de temps en temps aussi vous laisser porter par les vagues ou vous laisser flotter simplement sur une mer sereine. La seule chose qui importe, c'est de vivre votre voyage avec bienveillance, les hauts, les bas, les bons moments, les moments difficiles, la joie, la douleur. Déplacez-vous avec grâce, avec chaque vague qui arrive. Prenez le temps de contempler ce parallèle entre l'océan et la vie. Prenez un moment à présent pour revenir tout doucement au contact de l'endroit où vous vous trouvez, ici et maintenant, d'ouvrir les yeux tout doucement, de vous étirer et de revenir à votre rythme.